Alors dans cette vidéo, on va revoir comment développer des expressions pour bien se préparer au programme de seconde en mathématiques. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit développer, réduire, puis ordonner les expressions suivantes. Et on a grand A qui est égal à 4 fois entre parenthèses 5x moins 7. Donc on va développer notre 4 sur le 5x, et sur le 7, ça nous donne 4 fois 5x, 20x, moins 4 fois 7, 28, donc 20x, moins 28. Et on ne peut pas davantage réduire notre expression, donc c'est notre résultat. Ensuite, le B. On a moins 2x par, entre parenthèses, 3 moins 5x. Donc, moins 2x fois 3, ça nous donne moins 6x, moins 2x multiplié par moins 5x, moins par moins, ça fait plus, donc ça nous donne plus 10x, et le x au carré parce qu'il y a 2x qui sont multipliés entre eux. Et en l'ordonnant, en plaçant les x carrés en premier, ça nous donne 10x carré moins 6x. Et c'est notre résultat. Ensuite le c, donc on a entre parenthèses x plus 3 multiplié par entre parenthèses 4 plus x. Donc on va multiplier le x avec le 4 et avec le x, et ensuite on multipliera le 3 avec le 4, et le 3 avec le x. Ce qui nous donne x fois 4, ça fait 4x, x fois x, ça fait x carré, ensuite 3 fois 4, ça fait 12, et 3 fois x, ça fait 3x. Donc, on va rassembler les x entre eux, ça nous donne 7x, on n'a qu'un seul x carré, plus x carré, et plus 12. Donc, en ordonnant, ça nous donne x carré plus 7x plus 12. Et enfin, le petit d, on a entre parenthèses moins 2x plus 4 multiplié par entre parenthèses 5 moins 3x. Donc on va multiplier le moins 2x avec le 5 et avec le moins 3x, et ensuite on va multiplier le 4 avec le 5 et avec le moins 3x. Ce qui nous donne moins 2x multiplié par 5, ça fait moins 10x. Moins 2x multiplié par moins 3x, ça nous donne moins par moins, ça fait plus, plus 6x carré, puisqu'on a également les x qui sont multipliés entre eux. Ensuite, 4 fois 5, ça donne 20. Et 4 fois moins 3x, ça nous donne moins 12x. On rassemble les x entre eux, moins 10x, moins 12x, ça fait moins 22x. On a plus 6x carré, et plus 20. On réordonne en plaçant le 6x carré en premier, ça nous donne 6x carré moins 22x plus 20. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo.